Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue d'inspiration concernant la jupe en jean. Pour que votre garde-robe soit la plus versatile possible, que vous puissiez renouveler, créer de nouvelles tenues avec ce que vous possédez déjà. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, @soyonselegante, et que vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Et bien sûr, je vous attends sur le webzine soyonselegante.com pour découvrir tous les autres conseils et astuces. Aujourd'hui donc, on parle de cette fameuse pièce, la jupe en jean, qui est une pièce indémodable. Honnêtement, franchement, la jupe en jean, vous pouvez passer des années et des années avec la même jupe en jean dans votre placard. Elle ne sera jamais démodée, elle sera jamais ringarde, pratique, confortable. Bon, elle a tous ses avantages et en même temps, elle permet d'avoir une allure un peu plus féminine qu'avec un jean pantalon. C'est jamais une erreur d'en avoir une. Et en plus, c'est une pièce qu'on peut vraiment trouver en seconde main très 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 facilement. Quelle que soit la coupe de la jupe en jean, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa longueur, dans tous les cas, tout ce que je vais vous dire là et toutes les idées que je vais vous donner là seront valables. On y va, j'ai 10 astuces pour vous, pour vous montrer un peu comment renouveler votre tenue avec cette même pièce. Première astuce, ça va être de créer un total look denim, donc un total look en jean, c'est très simple, la jupe en jean et une chemise en jean au-dessus. Donc ça peut être aussi une chemise en chambray, plus fine, plus légère pour l'été, mais qui va avoir le même aspect qu'une chemise en jean. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne à tous les coups, c'est très joli, ça donne une allure élégante. Deuxième astuce. On va créer une allure chic et citadine tout simplement en portant un top basique comme un t-shirt blanc, un t-shirt noir, une chemise blanche, enfin voilà. Et on va ajouter un long blazer masculin, plutôt donc assez long pour que ça aille jusqu'au niveau de la longueur de la jupe. Donc vous voyez que si on met un blazer long avec un top tout simple dessous, c'est très joli, vous pouvez rajouter donc selon votre personnalité, selon votre humeur, des petites chaussures du type slingback, vous savez les chaussures beige à bout noir de Chanel, les fameuses, les mythiques slingback. Donc ça vous donne tout de suite une allure très chic, même pour aller travailler, ça passera très bien. Si vous voulez au contraire avoir une allure un peu plus rock, vous ajoutez une accumulation de chaînes. S'il fait trop chaud, on laisse tomber le blazer, on le laisse de côté. Et on opte avec le top blanc, très simple, frais, lumineux pour l'été. On va rajouter juste un petit foulard noué ras du cou. Troisième astuce donc pour porter la jupe en jean et renouveler votre tenue avec cette pièce, eh bien ça va être de porter une chemise colorée. Donc bien évidemment avec le jean, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur puisque c'est neutre. Donc comme avec une paire de jeans, comme voilà, vous pouvez vraiment associer n'importe quelle couleur. Néanmoins, je vous conseille de privilégier des couleurs moins vues et revues. Peut-être dans l'inconscient collectif, l'association Levi's, le bleu denim avec le rouge et le blanc. Donc du coup, ça, le blanc et le rouge, c'est des couleurs qu'on associe vraiment presque automatiquement, presque de façon un peu machinale avec la jupe en jean. Donc je vous conseillerais de faire un petit peu différemment, plutôt du vert, parce que ça va très bien avec le jean. Pourquoi? Parce que le vert est la couleur analogue du bleu. Voilà, donc je vous explique un petit peu les harmonies de couleurs dans ma masterclass numéro 2 sur l'école du style, donc dans mes programmes en ligne. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment faire les bonnes associations de couleurs, les bons rappels, etc., je vous invite à aller voir cette masterclass numéro 2 sur comment trouver son style, comment faire les bonnes associations vestimentaires. Donc là en tout cas, je vous donne cette astuce, avec le jean, le vert ça va être super top, ça va changer de l'ordinaire, en même temps ça va être très stylé. Vous avez aussi le orange, parce que le orange c'est la couleur complémentaire du bleu, et donc en termes d'harmonie de couleur, ça va être
Nickel. Pour celles qui veulent avoir un look rock, chic, chic rock, voilà, vous allez tout simplement associer à votre jupe en jean un t-shirt un petit peu rock and roll, un t-shirt tout simple, mais peut-être avec un motif, un flocage un petit peu grunge, un petit peu fort, avec du caractère. Et du coup, ça va tout de suite donner un autre aspect à la jupe en jean qui peut être vue comme assez classique, des petites sandales, à bride pour l'été, ou alors des rangers du type Doc Martens quand il fait plus frais. Si vous avez envie de ce petit côté rock mais plus féminisé pour les beaux jours, et ben je vous conseille de tester avec le t-shirt un petit peu rock'n'roll les espadrilles classiques avec un petit panier d'osier. Ça peut être très sympa. Cinquième astuce pour un look plus minimaliste, on va opter pour un top simplissime, ultra basique, épuré dans les lignes. Donc un top manche longue, voilà, en coton ou en maille, qui sera vraiment avec une encolure simple, aucun détail sur les manches, aucun détail, aucun motif au niveau des couleurs. Il faut qu'il soit uni. Donc si vous prenez par exemple un pull noir tout simple, ça marche très très bien en hiver avec les pulls col roulé tout simple. Vous rajoutez des petites des chaussures simples comme des sandales, des escarpins noirs, des petites bottines, ça marche très très bien. Une maille simple, un top très simple avec des petites bottines, c'est très joli. Vous rajoutez aussi pourquoi pas un trench ou un long manteau en hiver et c'est nickel, vous avez un look minimaliste, chic, élégant, sans trop chercher finalement, parce que ça reste assez simple, assez facile à faire, ça marche à tous les coups. Sixième astuce, eh bien on va jouer du monochrome. Le monochrome, c'est essayer d'avoir les mêmes teintes ou des teintes très très proches, très similaires sur l'ensemble de la silhouette, ce qui crée une verticalité, une allure assez élégante. Ça grandit également. Donc tout simplement, eh ben, ça dépend de la couleur du dénim de la jupe. Si vous avez un dénim qui est plutôt brut, qui est plutôt foncé, eh ben, vous allez chercher à mettre un top qui va être dans un bleu marine, dans un bleu un peu plus sombre, dans un bleu nuit, qui va se rapprocher de la teinte de votre jupe en jean. Si au contraire la jupe en jean est dans un bleu plus clair, plus délavé, eh bien vous allez opter pour un top qui va lui ressembler le plus possible, qui va être dans le même ton, la même clarté. Et donc à chaque fois ça va donner un ensemble assez sympa, un fondu, un camailleux qui est très très stylé. Septième idée. Alors, ça va être d'associer votre jupe en jean avec un petit top noir délicat. Qu'est-ce que j'entends par délicat? Eh bien, il faut que ce top noir, il ait une certaine finesse au niveau du tissu, donc de la matière, qu'il ait une finesse au niveau de la coupe, de la forme, des détails, également la finesse des bretelles. Donc, vous pouvez opter pour, par exemple, des petits caracos avec des bretelles spaghetti. Il peut y avoir pourquoi pas un petit peu de détails en dentelle. Ça peut être également, vous savez, les bodys très basiques où vraiment on a une coupe très 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 épurée, un joli body noir en coton tout simple avec des bretelles très fines. Bref, ce genre de petit top, ça va aller super bien avec la jupe en jean. Vous ajoutez selon vos envies et selon la saison des mules ouvertes, ou bien donc qu'elles soient plates ou à talons, ou bien par exemple des petites bottines, des petites boots, et bien vous allez tout de suite avoir une allure vraiment très très stylée avec ce genre d'association. Huitième idée pour porter votre jupe en jean différemment, pour renouveler vos looks, et bien pourquoi pas l'associer avec une blouse romantique, tout ce genre de petits tops avec des manches gigots, des manches bouffantes, des volants, des cols victoriens, voilà, qui sont vraiment des détails près de l'encolure, comme ceci. Donc vous voyez que avec ce genre de top, il y a une espèce de prestance qui se dégage, la féminité et le côté rétro de ce genre de pièces va apporter un contraste intéressant
et très stylé avec le côté casual et décontracté de la jupe en jean. Neuvième astuce, neuvième possibilité d'association pour celles qui sont audacieuses, qui ont envie d'un petit peu plus de sexy, eh bien par exemple pour aller dîner un soir au restaurant en amoureux, vous prenez votre jupe en jean, un blazer classique, voilà, de bonne qualité, et dessous vous portez un top ou un body en dentelle, et voilà, on aura aussi un jeu de contraste très intéressant. On l'a vu sur des podiums, pourquoi pas, c'est à tester. Enfin, pour terminer, dernière association possible pour changer un peu de vos habitudes, tout simplement avec un beau sweat à capuche. Le sweat à capuche, il va donner à l'allure une touche moderne, une touche jeune, sans tomber non plus dans le régressif. Allez hop, pourquoi pas un petit peu de rouge à lèvres, et on est bien là pour passer un petit week-end confortable. Voilà pour ces 10 façons de renouveler vos looks avec la jupe en jean. J'espère que ça vous aura donné plein de nouvelles idées pour la sortir de votre placard, surtout là avec les beaux jours, il n'y a plus d'excuses. Dites-moi en commentaire quelle est l'association que vous avez préférée, quelles sont les associations présentées ici que vous avez envie de tester. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Bye.